toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de débats enflammés sur ce nouveau beau plateau. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Vous êtes bien installés, tout va bien? C'est génial, ça, franchement. Bon. Ce rouge est d'un effet incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est beau, hein. Il n'est pas tout à fait sec, mais... Allez, on va vous présenter rapidement Manu, toujours chef de rubrique solutions et astuces sur jeuxvideomagazine.com. Et bonjour Bertrand. T'as passé de bonnes vacances? Très bien Bertrand, très bien. Elles étaient parfaites. JK, rédacteur en chef adjoint de Joystick, bonjour. Ça va? Ça va? Montre-nous ton magazine. Ouais. Alors exclu, parce qu'attention, ça sort demain, je montre où? Là, monsieur. Bonjour, là. Voilà. Joystick 257, en kiosque demain, avec Star Wars 13-13 en couverture. Je suis parti à San Francisco voir le jeu et on vous dit tout sur le jeu, c'est incroyable. Il y a plein de choses, achetez-le, hein, ça fait 148 pages, il y a de quoi lire. Très bien. Et alors, je vous montrerai mal mon magazine, je vous rends compte. Bref. Arnaud Dekaiser, rédacteur chef adjoint du magazine Jeux Vidéo Magazine. Tout à fait, donc le nouveau numéro qui est sorti déjà depuis quelques jours, hein, depuis le 16 août si je ne me trompe pas. Avec Call of Duty en couve et donc un magnifique flash code, page 120, on voit Bertrand avec... tous ses talents d'acteur dans une parodie de Resident Evil, fantastique. Merci. Il faut que je les vois, les vidéos. Par là, c'est montré, je leur montre. Voilà. Les premiers pas au cinéma d'une équipe. Exactement. Et enfin, Rodolphe Denain, notre rédacteur en chef du site jeuxvideomagazine.com. Bonjour. Salut Bertrand. Avant de commencer notre débat... Moi, je ne demande pas les vacances. Juste là, que dalle. Toi, que dalle. Si, justement. On va changer d'animateur aussi, je pense. Ouais, mais ce sera pas une grosse perte. Je voulais savoir si vous aviez passé votre été à jouer, si oui, à quoi, ou alors pendant l'été, c'est rien, pas d'écran. Moi, à break, j'ai lu 5 romans. Voilà. Mais des romans de guerre. Du roman avec des images et des femmes. Pas tu as colorié aussi Non, je fais un break total, je ne joue pas du tout. Voilà, pendant. T'as le temps de finir en mode 10 jeux. Ah oui, non, quand je suis rentré, j'ai joué comme un gorille. Mais par contre, en vacances, c'est lecture et puis point barre. Télé 7 jeux, tout ça. Ouais, c'est ça, les grilles de potes de pof. Enfin, passons. Okay. Moi, je suis pas encore parti en vacances, donc. T'as pas pris de vacances? Non, là, c'est dans une semaine, donc. D'accord. Donc voilà, donc ouais, du coup, j'ai joué un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de jouer tant que ça. Je viens de commencer Guild Wars. Enfin, t'es parti chez LucasArts, c'est ouais, pas mal. Ouais, ça va, tu vois. Je suis parti à la Gamescom, tout ça, c'était voilà. Bien. Ouais, c'est ça. Pas de vacances non plus, parce qu'il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui bossent pendant que les autres partent en vacances. Un jour, on témoignera, des têtes vont tomber. Tais-toi, des têtes vont tomber. Et j'ai testé Sleeping Dogs pour le magazine. On va reparler à la fin voilà, de l'émission. Et Darksiders, dont on va reparler aussi. Ok, donc, voilà. Très bien. Rodolphe. Je suis parti en vacances. J'avais pris mon PC, j'ai eu des soucis de santé et donc j'ai pas pu jouer. Mais j'avais prévu de jouer un petit peu à tous les jeux Steam que j'avais achetés pendant les soldes de Steam. Et donc, qui vont moisir dans ton PC. Non. Et là, en fait, j'ai repris GTA 4 après avoir vu les nouvelles images de GTA 5, donc j'ai relancé GTA 4, voilà, okay. Tout simplement. Très bien. On va revenir justement sur cet été 2012. Ça va aller vite, hein, c'était pas non plus la grosse folie, en tout cas jusqu'à la Gamescom. On va parler de la Ouya qui a fait l'actu en début d'été. C'est quand même une nouvelle console, il faut en parler. Non à la con, on peut dire, je pense. Alors, comment vous le sentez, ce projet? Mais avant de connaître votre avis, l'un d'entre vous va nous refaire un petit état des lieux de ce que c'est que cette console. Ah bon? Manu a des chiffres. Non, mais vas-y, t'as ouvert ta bouche avant le débat en disant blablabla, je connais tout, c'est vas-y. C'est une petite console qui a été lancée via Kickstarter, qui a récolté 8 millions de dollars, je crois. 8 millions 5, un peu plus. Ça a battu tout l'accord sur le Kickstarter, qui est destinée en fait à tourner sous Android et qui sera très orientée free-to-play et jeux gratuits, jeux indépendants, enfin vraiment des, entre guillemets, des petits jeux. Techniquement, on est plus proche d'une tablette en termes de graphisme, etc., que d'une Xbox 360 ou d'une 720. Et ça devrait coûter à peu près 100 dollars. Donc pourquoi pas, c'est pas. Moi, ça ne me fait pas rêver plus que ça, parce que j'ai un PC pour jouer à tous ces genres de jeux. Donc, C'est-à-dire que le problème de la Ouya, le projet, quand on regarde la vidéo d'explication, donc en anglais, mais bon, regardez, ils expliquent qu'ils veulent ramener les joueurs mobiles vers les écrans de télé. Alors que je pense que les joueurs mobiles, c'est pas, enfin, ils n'ont pas du tout envie de revenir vers l'écran de télé. Oui. Surtout pour des jeux comme Angry Birds, bah, tu as envie d'y jouer rapidement, de manière instinctive sur ton mobile. Et pas sur une télé. Donc déjà, je pense que de base, le projet est un peu étrange. C'est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, voilà. Enfin, le joueur mobile, il a pas trop. Enfin, s'il veut jouer sur la télé. Bah, c'est deux choses différentes, quoi. Tu peux très bien jouer sur mobile comme nous. Enfin, tout le monde voilà. Fait. Tu joues sur mobile et tu joues sur ta télé. Mais ramener des jeux qui sont destinés mobiles sur la télé, je vois pas l'intérêt. Surtout que tu perds le côté multitouche des tablettes et ainsi de suite. Par contre, faut pas oublier que le jeu mobile, ça génère un maximum de cash, ouais. Et que voilà, ils veulent une part du gâteau, à mon avis, avec ça. Tu parlais de prix, moi j'ai vu que la console donc, ce sera vendue entre 109 dollars avec une manette, ou 200 dollars avec 4 manettes, tu pourras avoir 4 manettes, ouais. Ça ressemble
Ouais, grosso merdo, une manette actuelle de PS ou Xbox, ainsi de suite. Voilà. La console est jolie par contre, c'est un tout petit cube comme ça. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit quoi comme un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube. Non, mais j'avais déjà dit autre chose, j'avais dit de la merde. Voilà, j'avais dit de la merde. Et donc ça fait 6 cm sur 6 sur 6, donc c'est vraiment tout petit. À savoir que ceux qui ont versé de la thune sur Kickstarter pour soutenir le projet auront leur console à moins cher à 99$ et auront la version. Au lieu de 100$, 99$ ouais, ah ouais, et auront la version noire. Auront la version collector noire. Voilà, d'accord. Après, moi, ce qui me. C'est vrai que c'est bizarre. Ce qui me fait bizarre aussi, c'est bon, ils ont enlevé 8 millions, donc tout le monde dit c'est énorme, c'est magnifique. Maintenant, 8 millions de dollars pour développer une console, la commercialiser, la distribuer, la pub, faire la promotion, c'est. Ouais, mais par contre, à la bateau sans marquer, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a rien dedans. C'est maîtrisé, les coûts sont maîtrisés, ouais. C'est du Tegra 3, c'est un Giga 3. Qui va la vendre pour, qui va la, il faut exactement la vendre. Exactement. Ça va être un réseau indépendant eux-mêmes, je ne sais pas. C'est 1 million de dollars. On va rebondir. Un réseau de distribution, c'est. On va rebondir dessus, mais elle sera compatible en live. Enfin, on va rebondir sur en live après. Mais. Plus qu'à fermer. Mais à la base, ils avaient annoncé qu'ils avaient besoin de moins d'1 million justement pour le projet à bien. Ouais. Ce qui est vraiment très peu pour le coup, voilà. Ils ont enlevé 8 millions. Donc, enfin, sortir là, ils en peuvent 2013 une console sous Tegra 3, qui, on le rappelle, c'est un processeur graphique de tablette, ouais, c'est ça. Sans réseau de distribution, je ne vois pas comment tu peux faire. Je vois pas. Ils vont peut-être marcher qu'en ligne. Oui, il y aura forcément du téléchargement. On sait que quelques éditeurs sont déjà prononcés. Square Enix et Namco Bandai sont intéressés pour travailler dessus. Il ne faut pas de jeu vraiment sur téléphone portable. Non, non, si, si, si. Ils font pas de remake. Ça prouve bien que tu as bien potassé ton truc, par exemple. C'est que des vieux jeux. Ils annoncent Final Fantasy 3, par exemple, qui a bien marché sur iPhone. Voilà, il y aura FF3. Bon, il y aura apparemment Cannabalt. Bon, voilà, c'est juste que tout le monde y a joué sur iPad, mais est-ce qu'on a envie de jouer à ça sur une télé? Non, quoi. Bah, t'y crois pas beaucoup. Enfin, c'est. Ouais, c'est bon. Après, ça peut être un petit nid pour les créateurs indépendants qui font des très bons jeux. En plus du PC, une petite console. Ouais, je ne vois pas le modèle économique aussi. Où est le modèle économique? Moi non plus, j'ai du mal à le voir. Je vais un petit procès d'intention, mais je trouve que vraiment, la nana qui dirige cette entreprise, je trouve qu'elle n'inspire pas confiance. Moi, personnellement, quand je vois la vidéo, je me dis, mais je ne vais pas donner mon argent à ces gens-là. Il y a Ed Fries aussi. Sincèrement. Il y a Ed Fries qui est derrière le projet. Ed Fries, quand même, il était derrière la première Xbox, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas non plus un mec sorti nulle part. Il y a une pointure d'hygiène, il y a un paquet de noms quand même derrière la console. Ouais, ouais. Mais moi, je ne vois pas le modèle économique à base de free-to-play, enfin de faux free-to-play, une fois que c'est du freemium, faudra payer. Est-ce que qui va acheter cette console, en fait, à part les collectionneurs, pour avoir tous les... Et a priori, Ouya récupérerait, entre guillemets, 30% des transactions, comme Apple le fait sur l'App Store. Mais de quel type de transaction on parle? On en sait rien. Il faut s'adapter. La console se vantait d'accueillir OnLive, sauf que ça se casse un peu la figure, même beaucoup la figure. Qui peut nous résumer un peu la situation d'OnLive? OnLive, dernièrement, ils avaient, en fait, ils annonçaient qu'il y avait quelques petits problèmes. Il s'avère qu'ils avaient entre 30 et 40 millions de dettes. À première vue, ils ont vu trop grand, ils ont loué trop de serveurs, enfin leur ferme de cloud gaming et ainsi de suite. Donc c'était un peu compliqué pour eux. Elle a failli déposer le bilan. Elle a été rachetée au début par un anonyme et en fait, il s'avère que c'est Loaders Partners qui a racheté ça, qui garde 50% des employés et qui va continuer en fait sur le modèle présent, peut-être avec en revoyant un petit peu le tout à la baisse, en sachant ce qui est assez drôle, c'est que. Je rebondais un petit peu là-dessus. On sait tous que donc Gaika a été racheté par Sony. Et là, Microsoft va organiser cette nuit, alors donc là, on tourne un petit peu la veille, dans un de ses campus, si je n'ai pas de bêtises. Un recrutement sur. Bon, vous êtes done live, on ne le dit pas officiellement, mais venez chez nous parce qu'on va faire de cloud gaming aussi. Mmh. Donc voilà, donc, j'espère qu'il y aura peu de gens qui resteront sur le carreau là-dessus. C'est David Perry qui avait tweeté. Ouais, David Perry, enfin, juste après la première rumeur de fermeture done live. Juste derrière, il dit, bon, voilà, si vous avez travaillé dans le cloud gaming, envoyez mon CV. Votre CV, bon, c'est un peu limite, c'est drôle. OnLive, il faut rappeler, c'était 8000 serveurs pour un maximum de 1800 à 2000 personnes connectées en simultané. C'est totalement disproportionné. Tout ça pour avoir un service où, malgré tout, pour les joueurs exigeants, tu as trop de temps de réponse. Donc ça pose des questions globales sur le cloud gaming, même si des grosses sociétés avaient investi quand même dans OnLive. Tu avais du AT&T, donc un géant de l'industrie des télécoms aux États-Unis. Warner avait investi dedans, HTC, et ils ont tous perdu tout le pognon. Quoi. Alors, ça veut dire qu'ils ont été trop gourmands parce que Gaika a réussi à se vendre à Sony un bon paquet d'argent. C'est pareil, ça a fuité, le patron d'OnLive, à première vue, voulait revendre dernièrement OnLive avant que...
on apprenne qu'il y avait tant de déficit, moins d'un milliard de dollars. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais ça ne s'est pas fait. C'est un truc qui vient juste de fuiter. Ça. Donc c'est quoi ? Est-ce que la bataille est terminée ? Est-ce qu'il y a un gagnant ? Une fois de plus, c'est une question de modèle économique. Ouais. Ouais, sur un live, le modèle économique, on ne le voyait pas. Sauf à condition d'avoir énormément d'abonnés. Mais est-ce qu'il y a, une fois de plus, est-ce qu'il y a un public massif pour ça ? L'approche faite par les fournisseurs d'accès qui communiquent beaucoup, hein, on a vu pas mal de pubs de Bouygues pour tout ce qui est cloud gaming ou free, elle est plus raisonnable parce que déjà, ils s'associent avec des petites start-up, c'est du Playcast, enfin des start-up à taille réduite. Ils y vont avec 2-3 fermes de serveurs. Et après, ils se développeront. Là, on a l'impression que tout de suite, le gigantisme est arrivé et qu'il n'y a pas forcément un public très nombreux. Ça reste pour l'instant un public très casual qui va jouer à des petits jeux. Le public, tu mets en avant du Street Fighter 4 avec Bouygues, le public du Street, il s'en fout en fait de complètement de ça. Donc, il y a une adéquation à trouver. Je pense que le cloud gaming va prendre son ampleur, mais ne va pas non plus remplacer le jeu boîte. Et avec un modèle économique assez restreint quand même. Enfin, c'est pas l'avenir du jeu vidéo, c'est une partie de l'avenir du jeu vidéo. Allez, on va avancer jusqu'à la Gamescom qui s'est déroulée du 15 au 19 août à Cologne. Une édition 2012 plutôt réussie, avec quelques belles révélations. On pense à Remember Me, par exemple, des Français de Dontnod. Tu étais à la Gamescom avec moi, et avec Benjamin, et avec Bruno. Ton avis sur le salon, sur cette édition ? Écoute, une bonne édition, pas de grosses surprises non plus, il n'y a pas eu d'annonce fracassante. Du côté du PC, pas des masses. Voilà, sur console, du PC, il y a eu, des belles découvertes, on en parlait tout à l'heure, mais comme Total War, choses comme ça. Mais effectivement, moi, sur console, le Remember Me sort aussi sur PC, je suis assez content de voir qu'il était enfin annoncé, puisque Dontnod, je les avais rencontrés il y a un an à la Gamescom l'année dernière. C'était encore un prototype, ils étaient super. Tu avais vu le jeu déjà il y a un an ? Non, on avait vu juste des artworks et on ne savait pas du tout ce que ça allait être. Et c'était super excitant, mais il y a quand même une équipe derrière de mecs qui savent de quoi ils parlent, donc c'est très très bien. Après, le salon en lui-même, je l'ai trouvé intéressant pour découvrir. En fait, la Gamescom, ce qui est bien, c'est que tu vas voir des gens en général que tu n'as pas le temps de voir forcément quand tu vas à l'E3. Il y a plus des petits studios, plus des plus petits éditeurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le salon. Mmh. L'avantage, c'est qu'on peut se balader dans les couloirs vraiment facilement, avoir des rendez-vous, faire des découvertes auxquelles on n'aurait pas du tout pensé, quoi. Vous, depuis Paris, vous avez trouvé que c'était un bon salon, classique, rien de surprenant ? Bon, on a été plutôt agréablement surpris par la conférence de Sony, qui était plus réussie que celle de E3. Tu vas me dire, c'était pas très compliqué non plus. Même s'il y a eu un retour du Wonderbook, cette fois-ci, c'était mieux amené. Il marchait cette fois. Oui, c'était mieux amené. Voilà. C'est des vidéos. Voilà, ce qu'ils auraient déjà dû faire à l'E3, avec quelques jolies surprises sur le PSN. On en reparlera, Reign et compagnie. Mm-hmm. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair que c'était intéressant. Maintenant, il n'y a pas eu effectivement d'annonce fracassante. Mais enfin, voir qu'un jeu français a été mis en avant par un éditeur japonais, une fois de plus, on a envie de faire un petit cocorico. Déjà, Ubi avait sauvé en grande partie l'E3, même si tous les jeux ne sont pas développés en France. Là, on a une fois de plus un studio de développement français. Le jeu qu'on a élu meilleur jeu de cette édition de la Gamescom, il est développé aussi en France. Bon, ça fait plaisir. En l'absence de Nintendo et Microsoft, est-ce que Sony a eu raison de faire tout ce ramdam avec un grand stand, une belle conférence pour occuper un petit peu le terrain médiatique ? En tout cas, ils avaient une fenêtre de tir, effectivement, vu qu'il n'y avait pas leur concurrent et ils l'ont plutôt bien exploité. C'est vrai que, comme disait Rodolphe, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une conférence de Sony à la Gamescom qui soit vraiment aussi intéressante avec beaucoup de nouvelles IP annoncées, enfin des nouveaux jeux dont on n'avait jamais entendu parler, même si effectivement c'est des jeux PSN ou PS Vita. Enfin, c'est bien, au moins déjà, ils ont quand même vraiment supporté leur... Ça reste du jeu, c'est pas parce que c'est un triple A que ça... Oui, non, mais toi. Bon, enfin, voilà, c'est bon. Ce qui est vraiment bien, c'est pour la PS Vita, je pense. C'est intéressant, quand on voit Call of Duty sur la PS Vita, ah, t'es la PS2, ah non, c'est la PS Vita. On va en parler, mais... On va en parler jeu par jeu, je pense. Oui, alors, justement, ça a commencé avec la Vita, donc on avait retenu quelques jeux, surtout Tearaway. Dont on a une interview exclusive sur le site, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous en pensez quoi, ça, Media Molecule qui passe des petites poupées au papier ? Graphiquement, c'est super beau. Ouais, enfin, c'est un studio un peu expérimental qui a toujours fait comme ça des univers un peu particuliers. Ça a l'air pas mal en plus, encore une fois, la façon dont tu interagis avec les personnages. Je pense que ça va vraiment bien tirer parce que finalement, on parle de la Vita, mais à part Tearaway, les autres jeux qui ont été révélés ne sont que des licences connues, comme Killzone, Need for Speed, FIFA. Ouais, mais tu prends le Assassin, franchement, apparemment, c'est du bon boulot. Enfin, si on s'en réfère à tes articles, il y a quand même vraiment des idées spécifiques à la console. Il y a vraiment des choses qu'on n'a pas vues dans les autres Assassins. Ça n'a pas l'air d'être un épisode de rabais.
Le Killzone, moi, je pense qu'il sera propre. Bon, après, effectivement, le Call of Duty, en tout cas, ce qu'ils en ont montré, ils ont on va rester mesuré, on va dire. Ça, hein. C'est une blague. Moi, en tout cas, moi, la conférence m'a pas donné envie toujours d'acheter une Vita. Toi, si j'avais une. Mais moi, j'en ai déjà une, donc en fait, je suis un peu content qu'il y ait des jeux dessus. Ouais, non, je me dis bien, mais c'est vrai que le Call of Duty, tu t'attendais à un truc, parce que la Vita, on est quand même un petit peu dans les entrailles, donc tu attendais quelque chose de joli. Franchement, c'est, je vais pas dire niveau PlayStation 2, mais on doit pas être très loin. Quoi. Bah, c'est le même studio qui a fait qui a commis Resistance. Ah oui, d'accord. Et effectivement, ils ont un gros problème avec la réalisation. C'est vrai que le Resistance. Ils ont un gros problème avec les jeux vidéo. J'essaie d'être poli, mesuré. Non, mais ne soyons pas. Faut le dire. Bon, les autres annonces. Si on regarde l'émission. C'était sur PSN surtout les belles révélations. On rappelle les jeux. C'était Puppeteer, Until Dawn et Rain. C'est quoi votre petit chouchou parmi ces trois-là? Bon, enfin, c'est toujours difficile de s'exprimer uniquement à partir de trailers. On va le faire quand même. Ouais, enfin, c'est parti en prospective. Dans l'idée, Puppeteer, quand même vachement chouette, quoi, cette idée. Après, Rain, ouais, une fois de plus, on est dans le délire arty de Sony. Mais globalement, il faut féliciter Sony en tant qu'éditeur et non plus en tant qu'constructeur, qui est le seul éditeur majeur qui sort autant de nouvelles licences, qui prend autant de risques. Alors certes, on peut dire que c'est sur le PSN, mais tout de même, c'est le seul éditeur qui ne se contente pas que de suites de manière générale. Mmh. On a l'habitude de critiquer Sony pour plein de choses, mais en tant qu'éditeur, il mérite vraiment le respect. Mmh. Et là, les jeux qu'on voit, les trois jeux, même s'il y en a au Move, on s'est beaucoup moqué du Move, bah, c'est le deuxième jeu après Unfinished Swan où on a envie de jouer au Move. Donc, quelque part, voilà, ils apportent quelque chose. Ils ne font pas simplement que nous sortir des énièmes suites à tire-larigot. C'est vrai que sur le coup, ils sont impressionnants. C'est vrai qu'il n'y a pas... On aime bien tes tirs à boulet rouge, mais là... Et c'est cette nouvelle PS3 qu'on attendait, non? Moi, je l'attendais aussi. On attendait plus de 3 modèles, je pense. C'est vrai. Peut-être qu'elle sera révélée au Tokyo Game Show. Alors, ils ont annoncé déjà qu'il n'y aura pas d'annonce de baisse de prix pour cette année sur la PS3. Ce qui est assez surprenant parce que je les voyais bien contrer la sortie de la Wii U comme ça. Ou alors, ils attendent le dernier moment pour l'annoncer. Mais ouais, des nouveaux modèles de PS3, ça signifierait forcément une baisse de prix de l'ancienne. Donc, on en déduit qu'il n'y aura pas de nouveaux modèles annoncés cette année. Ah, c'est vraiment étonnant. Je pensais vraiment qu'ils allaient nous présenter quelque chose. Une console qui a trois modèles différents, il n'y en a pas non plus beaucoup, hein. C'est pas très fréquent ça. Voilà, Xbox 360, c'est un peu ça. Hein. Ouais, il y a deux modèles. Xbox. Non, ouais, mais après, c'est décliné en 4 Go. On parle vraiment de modèles différents avec qui ressemble à l'ancienne PS2 avec un clapet qui s'ouvre pour l'histoire d'économie. Dans avec la PS2, trois types de disques durs ou de mémoire. La PS3, c'est un nouveau design. Bon, bref, allez, peu importe, la PS3, on verra si elle sera révélée au TGS ou pas. À la rédaction, du coup, après la Gamescom, nous avons élu les grands gagnants du salon. On va reparler vite fait ici. Le meilleur jeu pour nous, c'était Dishonored. J'ai pu y jouer pendant une heure. Et pas voilà, tu en très content. Voilà. non, c'est magnifique, c'est très bien. Vous irez lire notre article. T'avais pu y jouer ou pas, toi, J.K.? Moi, j'y ai joué à l'E3 et c'est tout. En fait, j'avais des plantations. Ah oui, moi, c'est le jeu que j'attends le plus cette année. Hein. Depuis que je l'ai vu pour la première fois il y a un an, je suis tombé vraiment amoureux de l'univers, de la proposition de gameplay qu'on nous offre, qui rappelle vraiment les grandes productions d'Origin et les Deus Ex et les Sif et ces choses-là, avec une patte artistique qui est juste, que moi je trouve absolument géniale. Et Arkane, ils ont fait leur preuve dès leur premier jeu et je suis hyper confiant. Bon, on est confiant. Ouais. Meilleur jeu console, Tomb Raider. J'ai pu y jouer également une heure. Alors, c'est toujours le même niveau qu'on avait déjà vu, mais c'est toujours aussi bien. Enfin, en tout cas. C'est super beau quoi. Ouais, déjà c'est très beau. Super beau. Et puis t'as vraiment envie d'y jouer quoi. C'est pas si, j'ai pas trouvé ça si beau que ça. Je trouvais que c'était intéressant en termes d'ambiance, mais je pensais être plus bluffé que ça techniquement au niveau de la technique. Je suis quand même pas dégueu. Bizarrement. Enfin voilà, j'ai pas été non plus déçu, hein, mais voilà, ça reste joli, mais je m'attendais plus à une claque graphique. Surtout il y a ça, un vrai côté Lost que moi j'aime bien. Ouais. Meilleur jeu PC, Far Cry 3. Très bien là-dessus. Bon, Far Cry, j'y ai joué presque une heure là, à la Gamescom, justement. Et en fait, là, on découvrait vraiment le côté open world du jeu. Et c'est vraiment un vrai open world. Il y a vraiment un côté mélange d'Assassin's Creed, de GTA, Red Dead Redemption également. De Red Dead, parce qu'il y a, on peut faire de la chasse, de la cueillette, il y a beaucoup d'activités annexes. Et c'est beau. C'est suffisamment très beau. C'est mortellement beau. Et l'IA, l'IA, parce que c'était un peu le problème du 2, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder les camps de plein de façons différentes. Donc, pour le coup, on peut vraiment y aller en infiltration, on peut vraiment y aller en bourrin
si on veut. L'IA, bon, elle ne m'a pas semblé totalement incroyable. Elle ne te voit pas à 50 km. Non, voilà, elle ne triche pas. C'est un peu ce qui m'a énervé. Elle ne triche pas, mais non, elle ne triche pas pour le coup. Tu as toujours le système de jumelles où tu peux loquer les ennemis pour les voir sur le radar. Vraiment très très bien. Enfin, plus je vois ce jeu, moi, plus je suis. Plus en termes de narration, ça a l'air assez intéressant. En termes d'open world, ça a l'air aussi très intéressant. C'est vrai que j'en avais aussi un petit peu. Et c'est vrai que les phases un peu, pas mystiques, mais hallucinogènes. Ouais, les phases, ce qu'on a vu à l'E3. On a rien vu à la Gamescom de ça. Non, on a vu ça à l'E3. Moi, j'avais joué cette séquence-là. Ah, tu l'avais joué? C'est fou. Parce que nous, on l'avait vu avec Rodolphe. Ouais, visuellement, c'est osé quand même. Et c'était vraiment un côté. T'as dû te droguer pour jouer à cette séquence? Gonzo. Non, j'ai eu le journalisme. Ça va pousser à éviter. Par contre, le gros problème de Far Cry 3, c'est sa date de sortie. Il va arriver en frontal avec Black Ops 2. Et c'est moche. C'est une grande chance qu'il ne soit pas réussi. Enfin, ce ne sera pas bon comparable. Mais... Et juste après Medal of Honor, Il devait sortir en septembre, je sais pas ce qu'ils t'ont foutu, ils l'ont repoussé. Oui, c'est vrai que. Ils ont peut-être du peaufinage, on va pas leur rendre. Sortir avant. Ouais, mais quitte à sortir, c'est qu'à la limite, tu le sors en janvier 2030. Tu verras, il y a déjà 53 jeux. Oui, voilà, il y a un nouvel embouteillage. Ça va être compliqué quand même. Ça fera l'objet d'un autre débat, peut-être. Ouais, tout à fait. Meilleur jeu console portable, on a voté pour TiroS, on en a déjà parlé. Meilleur directeur artistique, Puppeteer, donc c'est le jeu dont tu parlais tout à l'heure, c'est sur le PSN et c'est ce jeu en forme de scène de théâtre, un petit peu avec les décors qui bougent derrière, ça a l'air magnifique. Ouais, c'est très simple. Révélation du salon, Remember Me, c'est le fameux jeu de Don Knotts dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des objections, des oublis, des jeux que vous avez aimé voir? Objection. Bah non, parce que si on parle après des jeux PC, ça va. Ok, on va en parler après alors. Alors justement, on peut aussi citer d'autres jeux, Crysis 3, Zombie U, SimCity, Rome Total War 2, Hitman Absolution, Rayman Legends. Ouais. Hitman Absolution qu'on a vu pour la première fois sur PC, d'ailleurs tourné sur PC. Et sur PC, c'est vraiment, ils ont fait du super boulot. Il y a une gestion de la foule que moi je trouve vraiment, vraiment belle. Il y a peut-être un abus d'effet, de blur, etc. pour cacher peut-être le moteur graphique. C'est souvent un cache-misère. C'est intéressant. Mais moi, en fait, j'ai vu le jeu tourner sur 3 écrans. C'est absolument, enfin, vraiment très très impressionnant. Quoi. Est-ce que dans le gameplay, tu ne trouves pas que c'est très similaire en fait, à Dishonored, dans le sens où tu as une mission, tu es quelqu'un, faire quelque chose, et puis tu as plein de manières. Oui, mais en même temps, c'est Hitman. Hitman a toujours été comme ça. Hitman, depuis le 2, c'est déjà, voilà, c'est pas le même pouvoir. Ça reste quand même un trip plus réaliste, agent secret. Il y a peut-être moins quand même de solutions dans Dishonored. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Quoi. Moi, j'y avais joué un peu. Il y a 3-4 solutions. On peut soit sniper en haut d'une tour, soit attraper le mec comme une brute. Oui, mais bon, voilà, ça reste le gameplay d'Hitman qui a l'air très, assez peaufiné. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos, justement, des premières meurtres et tout ça. Et c'est vraiment bien foutu. Enfin, tu voyais vraiment les différentes approches. Il n'y a pas 600 000, mais tu voyais un petit peu les différents gameplays. Et c'était vraiment bien foutu. Pareil, le problème, c'est que ça sort le 23 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Bon, c'est un petit peu. Après, sur ce créneau, il n'y a pas grand-chose, à part Dishonored, bon, mais qui est quand même différent. Bon, enfin, Le public est assez proche de celui du public d'Assassin's Creed. Oui, il y a Assassin, je pense qu'il va bien se vendre. Ouais, puis le porte-monnaie n'étant pas extensible, c'est vrai qu'il va y avoir des jeux qui vont encore y avoir des gens. Mais c'est ça le problème. Oui, enfin, quand ils sont passés à 30 euros. Par contre, ils ont annoncé le mode contrat, justement, à la Gamescom, le fameux mode de jeu où on peut, en gros. C'est une sorte de jeu plus ou moins en ligne où chacun peut désigner une cible dans le jeu. Même à n'importe quel PNJ, on peut dire, tiens, ce mec-là, il faut le tuer. Et le but, c'est de comparer le temps que tu mets pour le tuer, comment tu fais, etc. C'est rigolo. C'est original, mais après... C'est ce que tu peux voir dans le jeu Hitman. C'est suivant, en fait, la manière dont tu vas tuer les gens, tu vas te faire opérer. Tu as une note qui va baisser ou qui va augmenter suivant ton truc. Donc, il y a vraiment un classement en ligne. Une sorte de autologue, enfin dans l'esprit, je pense, un classement en ligne qui peut être. C'est une bonne idée. Quelle violence. Non, par contre, tu avais vraiment adoré d'autres jeux comme Rome Total War et SimCity, ça a été la petite... J'étais à la conférence hier où il y avait Crysis, Medal of Honor, des trucs où tu tues deux mecs, quoi. Et là, tu arrives dans SimCity, tu as une petite musique douce avec la ville devant toi, c'est magnifique. Et j'y ai joué quoi, 3/4 d'heure, 1 heure, et c'est excellent. Enfin, on retrouve vraiment le... Enfin, j'ai l'impression qu'on retrouve la profondeur de SimCity. SimCity 4, le dernier vrai bon SimCity, avec voilà, une interface refaite d'aujourd'hui. Puis graphiquement, c'est sympa. C'est une sorte de niveau de zoom, tu sais. La vie est hyper vivante, on zoom, il y a plein de petits détails. Ça presque un côté joué. Et puis c'est un côté joué, on voit vraiment les personnages. Ils sont mignons, les vrais. C'est vraiment le côté petit jouet. Voilà, il y a petit jouet. Et voilà, il y a un parti pris graphique qui est vraiment excellent.
Moi, je suis ressorti de là, j'étais détendu. Ça. Je ne connais pas trop, mais tu auras toujours gestion du métro, du parc routier, des choses comme ça. Alors, à le métro, ils ne l'ont pas annoncé, c'est pas sûr. C'est peut-être dans une extension. Mais c'est vachement sympa. En fait, il y aura surtout tout le côté multijoueur où chacun pourra, tu pourras vendre des ressources à ton pote pour pouvoir construire des trucs. Tu peux tuer des gens dans ton jeu. Tu peux envoyer de la police. J'aime bien tuer des gens. Si tu veux, tu peux. Désastre, Godzilla. Par exemple, il y aura un désastre. À la fin de la démo, il y a un volcan, je crois, qui arrive et qui détruit la ville. Ah, il arrive. Jean-Michel Volcan, c'est moi. Donc, c'est SimCity, ça va être. Je pense non, que mais ça... il parle pas, il joue sur PlayStation, non, moi, il connaît rien. Ouais. Voilà, ça va être le jeu PC sans doute de 2013. Quoi. Bon, allez, on revient sur les jeux de cet été. On a pu donc jouer à Darksiders 2 et Sleeping Dogs. Tu es le plus spécialiste. Non, mais tant pis. Je voulais parler de Rome Total War 2. Allez, vas-y, allez. Rome Total War 2, rapidement, pour moi, c'est l'autre grand jeu PC du salon. Même si on n'a pas vu grand chose, on a plus vu une démo technique que vraiment l'interface de jeu. Visuellement, moi j'avais rarement vu ça en fait dans un jeu de stratégie. C'est d'une beauté incroyable et ils ont réussi à rendre en fait les batailles stratégiques de Rome Total War, donc qui sont des trucs à très grande échelle, assez humaines, dans le sens où il y a beaucoup d'interactions entre les soldats, il y a même des dialogues pendant les batailles, il y a des sortes de mini cinématiques qui peuvent se dérouler de manière un peu aléatoire. Et c'est magnifique, quoi. On voyait l'attaque de Carthage par une flotte de bateaux. Ah, c'est ça, c'est bien géré, le combat de naval. Ouais. Et là, pour la première fois, en fait, on pourra faire des vrais débarquements. Tes hommes arriveront en bateau, débarquent sur la plage, prennent d'assaut la ville. C'est la seule présentation où tout le monde applaudit à la fin. Tu peux avoir un soutien de feu grégeois, c'est pas bien. Et tu peux tuer des gens. C'est super. Oh. Là, oui, tu fais ce que tu veux. Par million, là, oui. Allez, on va parler de Darksiders 2 et Sleeping Dogs. C'était les deux gros titres de cet été. En gros, Arnaud, t'as fait les deux jeux. Non, je suis en train de faire pour moi Darksiders 2, donc je n'en parlerai pas parce que je suis pas très loin. Et j'ai testé Sleeping Dogs, donc je peux un peu en parler. Bah, j'ai trouvé ça très sympa, Sleeping Dogs, c'est effectivement un bon petit GTA-like, propre sur lui, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai que le gameplay est vraiment nickel à tous les niveaux, j'aime beaucoup la conduite notamment, qui est vraiment très bien calibrée. T'es un des rares à aimer la conduite dans ce jeu. Ça trop arcade en fait. Je suis d'accord avec mon patron. Allez, Manu, rejoins GTA et vous allez voir la différence, c'est bien plus agréable. Moi, je préfère vraiment la conduite de GTA, là c'est le côté on-off, m'a surpris, je dis pas que c'est pourri, mais voilà, je suis moins fan. Je pense que c'est une histoire de ressenti, après c'est pas il y a pas mauvais ou le système de combat est bien foutu. Bon, c'est du sous Batman, attention. Ça quoi de nouveau par rapport à un GTA? Bah rien, c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement moi je trouve qu'il y a pas grand-chose de nouveau, c'est des recettes qu'on a déjà vues un peu partout. Bon, alors après ça change de cas, t'es à Hong Kong, t'es pas un machin. Oui, c'est quand même bien écrit, apparemment. Il y a une identité propre, pour moi j'ai trouvé ça c'est très premier degré, c'est ça le problème, c'est que je trouve que par rapport à GTA où tu sens que dans les dialogues, dans les personnages, il y a toujours quand même quelque chose d'un peu plus profond. Plutôt, quoi. Enfin, ouais. Là, c'est vraiment très, voilà, t'intègres les triades. Bon, oui, mais bon, je ne peux pas comparer Rockstar. Bah oui, mais en même temps, c'est un GTA like, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'autres jeux qui ressemblent plus à GTA 4 que Sleeping Dog, quoi. C'est vraiment, ils ont pris la même recette, en tout cas visuellement, dans les mécanismes de jeu. Et il manque un peu, je trouve, le supplément d'âme de machin. Mais c'est une bonne alternative, on va dire, pour surtout à ce moment-là de l'année où il n'y a quand même pas grand-chose. C'est un jeu. C'est vraiment plaisant, il a l'air de bien se vendre. Et en plus, on a une solution. Écoutez, je regarde la caméra. Je fais une solution avec tous les objets cachés, tous les trucs cachés. Donc venez. Et sur Darksiders 2, je la mets tout à l'heure en ligne aussi. Charlotte. Mais comment tu fais pour faire toutes ces solutions en même temps? Charlotte, de choc et de charme, qui nous a fait une petite soluce avec tous les trucs cachés. Une team de malades avec plein de bras. Juste sur Sleeping Dogs, ce qui fait plaisir, c'est que c'est quand même un jeu qui revient de loin, parce que ça a failli jamais sortir. Et que les mecs aient réussi quand même à sortir un jeu plus que potable. Nous, je sais que dans l'équipe de Joy, on n'attendait vraiment pas grand chose du jeu. Et Kevin qui a testé le jeu, il était super, vraiment très agréablement surpris, quoi, effectivement. Bon, c'est du bon boulot par rapport à ce que ça aurait pu être. On a eu aussi droit cet été à New Super Mario Bros. 2, dont les publicités sont assurées par les sœurs Cruz. Tout ce qu'on a retenu du jeu. C'est un très bon jeu. Avec Pénélope déguisée en Mario à la fin. Voilà, c'est rigolo. Le jeu, quelqu'un a joué un petit peu? Non. Le simple fait que personne n'ait eu envie d'y jouer. Oui, mais j'ai joué en ce moment, moi. Ouais. Je sais pas, moi il m'attire pas. Voilà, alors que j'ai fait les autres Mario, mais celui-là. Rapidement, j'ai beaucoup, c'est toujours super agréable. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les pyramides, le monde sous-marin, les châteaux. Tu te dis, c'est vrai qu'en fin de course. Voilà, c'est propre, mais ils ont un peu des générateurs aléatoires de niveau, peut-être. Voilà, je préfère retourner à jouer à Mario Galaxy sur Wii, qui sont plus intéressants. On a eu aussi Sand Shapes sur Vita et PS3. Très sympa, mais on attend des créations de la communauté. Deadlight, qui a joué à Deadlight?
Personne. Apparemment, c'est décevant. C'est un peu court. Ah bon ? Moi, j'ai entendu un petit peu le contraire. J'ai envie de jouer. C'est Romain qui l'a fait. C'est Romain qui a testé. C'est un petit peu déçu. C'est un peu court. Un peu lassant. Il y a du Zomblard. On a eu Kingdom Hearts 3D. Personne ne va en parler ici, je le sais. D'ailleurs, très bonne solution faite par Charlotte. Venez sur le site. Kingdom Hearts, formidable. Avec Mickey, c'est génial. Et elle était commencé avec The Walking Dead, épisode 1 et 2. Là, par contre. Ouais. Ça, c'est bon, il y a presque tous joué, je pense, et on attend tous l'épisode 3. C'est sorti sur PlayStation pourtant. Oui, ouais, avec du retard. Avec du retard, ouais. Je suis du travail. C'est la meilleure surprise de l'année, c'est même une des meilleures surprises jeux vidéo depuis très très longtemps, parce qu'on n'attendait pas grand-chose de Telltale, hein, après le retour vers le futur qui était raté. Là, la qualité de narration, la qualité des doublages, enfin, c'est de la VO sous-titrée en VO, donc il y a des gens comme Manu qui râlent parce que voilà, la diversité des situations, la tension qu'on peut ressentir, le gameplay qui revisite complètement le concept de point and click, et le simple fait qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2, les thématiques soient différentes, c'est pas juste une énième suite dans le premier 1. Dans le premier, ça se consacre beaucoup aux morts vivants, dans le deuxième, t'as quasiment pas de morts vivants. C'est super bien écrit. La seule question qu'on se pose, c'est on nous dit que les choix qu'on fait ont une incidence finale sur le jeu. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop apparaître dans le jeu. On voit que bien sûr, quand tu choisis d'aider tel ou tel personnage dans des situations périlleuses, bien sûr, il y en a un qui est sauvé, l'autre qui périt. Mais après, les autres choix que tu peux faire, on ne voit pas encore les conséquences que ça peut avoir. Mais même si ça n'a pas de grosses conséquences, c'est quand même un super bon jeu. Quelquefois, les choix sont limités parce qu'on en parle des fois de notre expérience. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as sauvé pas? Moi, j'ai essayé de le sauver, mais lui est mort. Ah bon? On voit quand même qu'il y a un embranchement, il y a un arbre assez. C'est quand même un peu classique. Du Vivirain, quoi, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est un peu dans le même état d'esprit, quoi. C'est dans le même état d'esprit, dans le fait que ça s'attache beaucoup aux personnages. C'est-à-dire qu'il y a une empathie immédiate qui se dégage vis-à-vis des personnages. Maintenant, c'est différent. Il y a quand même une partie action qui ne se limite pas qu'au QTE, comme vous pouvez l'avoir dans Heavy Rain. Tu as des petits passages où tu dois, par exemple, te planquer derrière une charrette parce qu'on te tire dessus, des choses comme ça. Le stress est beaucoup plus important que dans Heavy Rain parce que tu as parfois un temps très limité sur faire tes choix. Ouais, tes réponses influent vraiment sur. Tu as l'impression que ça influe vraiment sur le regard des autres, de ton groupe. Et quand tu as une question de vie ou de mort et que tu dois y répondre en temps limité, le fait est que tu ne réponds plus en tant que joueur, c'est-à-dire quel est le meilleur choix pour moi en tant que joueur pour en la suite. En tant qu'être humain. Mais voilà. Tu as une empathie avec ce qui se passe à l'écran. Et ça c'est vraiment super fort. C'est un des rares jeux. Je vais demander un code pour le télécharger gratuitement. Tu fais comme nous, tu achètes tes jeux. Ouais, tu achètes tes jeux. Je sais bien que c'est un mot vulgaire chez toi, acheter des jeux, mais non, le seul truc négatif pour moi, ça, comme disait Rodolphe, je suis un peu une quiche en anglais. J'arrive à me débrouiller, il n'y a pas de problème, mais je trouve que là, des fois, ça va trop vite. J'aimerais bien pouvoir prendre mon temps, pouvoir lire une phrase correctement, parce que des fois, on t'en balance, ça s'engueule, hop, tu fais un choix. Alors bon, j'arrive à piger, il n'y a pas de problème, mais je trouve que ça va un petit peu trop vite. Et chaque épisode dure combien de temps à peu près? Ouais, 2 heures, 2 heures. Ouais, c'est ça, parce que t'aimes prendre ton temps, t'aimes bien fouiller. Autrement, tu peux le rusher, je suis sûr qu'il y a des cons qui vont dire sur YouTube, j'ai fini en 10 minutes, je suis un super-héros, ouais, c'est bien. Tu rentres chez ta mère, tu as mangé du flan. On précise. Si tu prends ton temps, les flans, parce qu'on tourne, il est midi et demi. Ouais, c'est un peu traîné ce matin, la technique, avec Pat Le Guen. On précise que ces jeux-là sont adaptés des comics. Oui. Alors que Activision va sortir un jeu tiré de la série. De la série. Qu'on a plus ou moins vu. Là, on a vu quelques trucs, une interview à Iramat sur le site. Et qui est un FPS, à la différence du jeu. Voilà. Et pour terminer, les l'épisode 3, s'il dit. L'épisode 3, ça arrive aujourd'hui, demain. Ça arrive demain, mercredi, sauf pour le PSN européen, ça sort. Tout comme pour l'épisode 2 d'ailleurs, qui était arrivé après, pour des raisons inconnues. Petit joueur européen sur PS3. Moi, je ne saurais pas l'épisode 2, toujours pas. Je pense qu'ils ont, PC, ils n'ont pas payé de royalty assez vite ou assez fort. Sur iOS, il y a l'épisode 2 qui est arrivé. Ça y est super, parce que je l'attendais encore l'épisode 3. Donc, joystick, vous notez, joystick, joue. Non, mais sérieusement, tu es rouge, tu bafouilles. C'est typiquement le genre de jeu, je trouve, qui se joue bien sur une tablette et qui se prête bien au support de tablette. Moi, je l'ai fait. Tais-toi. Il est moins cher. La dernière fois, je l'ai fait dans le train, j'avais 2 heures de train devant moi, j'ai fait mon jeu, j'étais super content. Carrément moins cher en plus. Joystick, les privilégiés, on joue sur iPad dans nos TGV. Dans nos privatifs. J'ai payé 13 euros ou 15 euros les 5 épisodes. Ah, les 5 épisodes. Oui.
tous les épisodes. Ok, on revient sur l'été. On a commencé l'été en musique avec Beat the Beat sur Wii. Qui est bien. Bien. Avec Mandrico. Avec Mandrico. Parlons de Mandrico. Mon singe préféré. Et attention, le nom du jeu, Theater Rhythm. Final Fantasy, le jeu de rythme sur 3DS. Voilà, maintenant on attend quoi pour la rentrée des nouvelles de la Wii U? Apparemment, il y aura une date, le 13 septembre peut-être. Ouais, mais le 13 septembre, mais ça n'a été annoncé que pour les États-Unis. Une conférence avec Régis Fils-Aimé. Il faut se souvenir que l'annonce des détails concernant la sortie de la Wii, la toute première, ça avait été un 14 septembre avec Régis Fils-Aimé. Si vous vous souvenez bien, alors qu'on s'appelait encore JVN, on avait fait une espèce de live en direct, un live texte en direct d'Amsterdam. D'Amsterdam pour tous les détails concernant le lancement de la 3DS. Donc, ce qu'on saura sans doute, c'est la date. Une fois de plus, pas les jeux qui sortiront en même temps, mais sur ce qu'ils appellent la launch window, donc la fenêtre de lancement. Et en Europe, on n'aura pas le prix, puisque Nintendo ne donne jamais les prix. Mais il y en a déjà qui se baladent un peu sur Net, qui ont la Fantasy. Enfin, ça parle quand même 500 euros, t'es là. Pour des raisons... 500 euros, jamais. Ouais, pour des raisons légales, Nintendo ne donne jamais les prix. Voilà. Est-ce que ça vous semble un petit peu tard, cette date-là, pour faire monter la sauce, si la console sort en novembre ou décembre? Il serait temps là qu'ils se dépêchent pour faire la pub. Ça sort un peu tard, oui. Enfin, moi, s'ils annoncent une sortie maintenant, je vois mal la console sortir d'ici la fin de l'année. Enfin, La minute patch. Attention, attention. L'analyste. Attention, l'analyste. Et tu devrais faire un jingle. Jika parle. Moi, j'annonce que ça ne sortira pas avant mars. Voilà. Carrément. Ça sort pas Noël. Ça ne sert à rien. Alors, moi, j'annonce que ça sort avant le Black Friday aux États-Unis, qui est le 20 novembre, un truc comme ça. Mais c'est quand même assez tard, je trouve. C'est les sœurs Cross qui font la pub de la Wii U en décolleté. Tout le monde va passer avec. Non, mais enfin, le schéma a été le même sur la Wii. J'ai pas l'impression que ça a été un échec commercial. Non. Est-ce que pour vous, c'est une erreur que... Je confirme. Ne dis rien. Est-ce que pour vous, c'est une erreur que Nintendo n'ait pas été à la Gamescom pour que le public puisse toucher un petit peu la machine? Nintendo, à chaque fois, on les enterre, on dit que c'est les erreurs, et puis à chaque fois, ils font des cartons. Je pose la question. Ils créent peut-être l'envie, tu vois, ils suscitent comme ça le mystère autour de leur console, je ne sais pas. Parce que comme la Wii, c'était compliqué de faire comprendre comment ça fonctionnait, plus ou moins, la Wii U, c'est encore plus compliqué. Ouais. Comment ils vont axer leur communication, d'après vous? Alors, ça passera par le retail, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de bandes de démonstration dans les magasins. Puis après, voilà, c'est la force du marketing de Nintendo. Hein. Ils sont aussi forts qu'Apple dans le domaine. Donc, et puis, il suffit que le bouche à oreille, qui a fonctionné sur la Wii, avec son aspect jeu de société, fonctionne. Tout dépendra quand même du prix, je pense. Qu'effectivement, s'ils arrivent vraiment avec un prix trop élevé, ça va être compliqué. Enfin, Le fait que la console soit livrée avec un gamepad. Si le petit frère dit moi j'en veux un aussi, il faut racheter un. Aucun jeu n'utilise de gamepad, donc ta question. Donc ça va se battre entre frères et sœurs pour savoir qui aura le gamepad et qui aura la Wiimote toute poussiéreuse. Voilà. Ça va être drôle. Les prochains jeux arrivés, on va parler de la rentrée un petit peu. On aura Little Big Planet sur Vita, Borderlands 2, c'est pour toi. Précommandé. Voilà. Les duels entre Tekken Tag Tournament 2 et Dead or Alive 5, on verra ce que ça donne. Entre FIFA 13 et PS 2013. Tu me fais rêver avec 4 jeux, Et dès le mois d'octobre. Mais il y a encore un match entre FIFA et PS. Oui, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'on dit ça, mais ça fait 5 ans. Le match, la mise à mort, la curée, c'est quoi? On nous dit que l'année prochaine, ça va être le vrai retour de FIFA. Non, c'est plutôt la curée, tu peux dire. Non, mais bon. Il n'y a plus de match, très honnêtement, commercialement. Au niveau de la qualité. Il n'y a plus de match. Et souvenez-vous d'où était FIFA il y a 10 ans, quoi. Dans 10 ans, peut-être que... Oui, dans 10 ans, c'est un cycle. On verra. Donc en octobre, ça va enchaîner avec du Assassin's Creed 3, du Black Ops 2 contre Medal of Honor Warfighter, Dishonored, Resident Evil 6, Halo 4, Need for Speed Most Wanted et le lancement de la Wii U. Il y a un paquet de thunes à mettre parce qu'il y a un paquet de bons trucs dans ce que tu as cité. Ouais. Le professeur Layton, oui, également en fin d'année. Je vais le noter alors. Pokémon version noir et blanche. Donc, le Pokémon est en dernier sur DS, on est d'accord. C'est pas sur 3DS, noir et blanc. Je crois. C'est ça, attention, on confirme. On dit n'importe quoi, on verra bien les commentaires. Sur tout à fait, Bertrand. Moi, Pokémon, je ne m'en mêle pas. Oui, je sais t'en mêler. Je laisse tranquillou. Donc pour vous, c'est quoi? C'est Dishonored? Ouais. Borderlands 2, et puis ça suffit. Ah, tu parles d'un succès commercial ou de ce qu'on aime? De vous. De toi. Oui, nous, parce que c'est pas du tout la même chose. Dishonored à Mord, puis Borderlands. À Mord. Dishonored à Mord. C'est le nouveau slogan. À Mord. Puis Borderlands 2, moi, pareil, Borderlands, Far Cry 3, bon, ça reste que des FPS, mais... Far Cry 3, c'est pas en année qui sort, là.
Oui, c'est... enfin bon, oui, d'accord. C'est fin novembre. C'est fin novembre. C'est ça, novembre. Fin novembre. Le lendemain de Call of Duty, quoi. Ouais, non, moi, je veux bien voir ce que ça vous dit. Non, je suis pas en mail. Enfin, je suis pas à bloc dessus comme tout le monde, mais bon. Voilà, bon, quand tu auras reçu ta version collector gratos, tu seras content. Tu trouveras ça bien. Je vais demander à Jérôme Firon. Salut, Jérôme. Non, non, mais moi, je l'attends parce que ça a l'air d'être un truc intéressant. Moi, j'attends l'Assassin parce que pour une fois. Je les ai tous faits, mais celui-là, enfin, il y a l'air d'avoir des trucs qui vont peut-être me plaire dedans. Donc, ah, t'as pas aimé, tu les as tous faits, mais t'as jamais aimé. Ben oui, mais voilà. Enfin, c'est bon, c'est compliqué. Mais disons que j'ai toujours pesté contre. Je me dis, il y a vraiment du matériel pour faire un super jeu, et ils n'ont jamais réussi vraiment. C'est vrai que le 3, ça lance. Alors que le 3, là, franchement, ils ont l'air d'avoir mis tout ce qu'il fallait, on verra bien. Et puis, personnellement, c'est à peu près tout, quoi. Après, je vais faire d'autres jeux aussi, Resident Evil 6, je pense, mais je l'attends pas plus que ça. D'accord. Rodolphe. Étant donné que Plante vs Zombies 2 sort l'année prochaine et que son créateur a été viré, bravo à EA. D'ailleurs, on aurait pu parler de tous les gens qui ont été virés ces derniers temps. On va faire une émission entière. Je pense qu'on fera bientôt une émission là-dessus. Dishonored, évidemment, parce que moi j'adore les parties pré-artistiques de Victor Antonov. Far Cry 3 pour le côté complètement barré de l'histoire. Enfin. Quelque chose qui est autre chose qu'un énième shooter militaire. Je fais pas de précision. Et puis Need for Speed Most Wanted. Parce que c'est Criterion, c'est le nouveau Burnout pour moi. Donc voilà, ça va être génial. Et le Layton, parce que voilà, un hiver sans Layton, c'est pas un bon hiver. C'est tout simplement. Bon, on attend toujours Arma, mais bon, je sais pas quand. Toi qui es spécialiste du PC sur tablette. Arma 3, peut-être tu vas pouvoir. La version iPad d'Arma 3 va être mortelle. Ouais, non, mais je n'ai rien à faire. Mais vraiment. Il y avait des Z dans Standalone, mais ce sera pas forcément celle-là. Ouais, donc Arma 3, vas-y, t'as pas répondu là. Là, je pense 3, que t'es trop dans la merde. D'Arma 3. D'accord, ok. On s'en fout. Je l'ai bien le 3, mais il est en bêta. On vous laissera en parler après l'émission. Ouais, voilà. C'est toi le bêta. Ok, d'accord. Okay. Je peux dire mon avis, moi aussi ou... Non, non, on s'en fout. Vas-y, là, on va aller. Non, moi, ce sera Halo 4. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Et Nintendo Land. Ah ouais, hein, c'est comme ça. C'est des jeux Wii U. Enfin, globalement, la Wii U, évidemment, on l'attend, c'est une nouvelle console. On est quand même curieux de voir les jeux sur Wii U. Donc, on en avait un bon paquet, quoi. Et peut-être que je jouerai à Arkham City, que je n'ai pas fait. Non, malheureux, je l'ai fini, moi, ça y est. Malheureux, t'as pas fait. Mais c'est la moins bonne version, c'est ce qu'on a vu sur Wii U. Il est très moche. Ah oui, d'accord. Non, achète-toi un PC, je vais te passer mon PC. Ok, ça marche. Ah. Voilà, on a fait le tour. On a quand même oublié de dire qu'à la Gamescom, on a failli perdre Benjamin Césari. Oui, parle-nous de la fête. C'est mordu. Si, faut en parler, je suis désolé. En mangeant les frites, pas, je l'ai dit. Il a failli mourir devant toi. Ça a été dit sur Twitter. Je balance vite. Non, mais surtout quand il s'est mis à trembler. Tu mimes. Benjamin, t'as régi actuellement, donc je ne ferai pas cet outrage. Si. Par contre, on va le dire. Je ferai peut-être une imitation pour un prochain Ville de la Rédac. Voilà. On fait comme ça. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très bientôt. Ciao.